Je voudrais avoir une invitation pour Koulou Tounabsoji Bempiana ou Eranson. Je voudrais apprêter moi une invitation pour Fali Poupa, Ferregola, Héritier, Watanabe. J'aurais appris cette histoire de Buna Filé. Il n'y a pas que Buna Filé, il y a également Ibrator. Il y a également Ibrator. C'est-à-dire, ce sont nos invités, ils seront invités. Héritier, Watanabe, sont nos invités. Mais très particulièrement, j'ai échangé avec quelqu'un, c'est Kofi Olomide, avec qui on a échangé il y a deux ou trois jours de cela. Justement, il attend également son invitation. Donc, c'est-à-dire que c'est une fête. C'est une... Question de Bozo Zali. Date est le 27 juillet. C'est pratiquement une année que vous avez annoncé ça. C'était lors de mon émission sur la RTNC. Vous avez annoncé ça. Pourquoi on insistait quand on a le 27 juillet? Et puis, Ozali, deuxième artiste, permettez-moi, deuxième artiste chrétien, Oyo Azako Ozé, mais tu as été la première personne à annoncer ça, concert à Stade des Martyrs. Et ça, la Gindegeni Nango, Oyo Kogo se retrouvait dans la deuxième position. À la personne de notre frère Papi Kakol et son implication encore donnée comme un boost à ce challenge. Pour moi, c'est un des batteurs mais vraiment légendaires que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Bondo et machine. La caméra, c'est où? Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Respect et merci pour ton implication. D'ailleurs, je vais recourir à lui pour qu'ensemble, tout ça délibé. Il y a un batteur. Non, Papi Kakol n'a pas le niveau. Il y a un challenge, voilà, sincèrement. Je crois que nous l'avons. Vraiment, qu'on vient dans l'église notée, hein? Là, le moment vérité, quoi. Est-ce que conscience, Nayo, quand vous dites que l'église Cité Bethel est à place de Bimisayo, comment pasteur Mike, vous préférez que vous êtes ma père, il y a l'église à la Moussoumé. Église Oyom Robima. Comment à moi 100% lié à cet événement du 27 juillet au Stade des Martyrs. On ne parlera pas de la vie privée du pasteur Mike parce que ce n'est pas le sujet du jour, s'il vous plaît. Franchement, je vais prendre, excusez-moi de le faire, cher grand frère, grande sœur, frère, sœur, collègue. Je serai très stick sur cela. On est ici, Toza Awa, vraiment, Tolobela événement. Toye Peko Lobela Batumi Susuti. C'est le pasteur Mike Alamba. Pourquoi pas? Toro... Ma vie privée, pourquoi pas? Toro Lobela, vie privée de papa Mike. Non, juste un peu de vie privée. Ah. Ah. un peu seulement. N'en abusez pas, juste un peu. Papa. Hein? Alors, Ezalinda Kouoyo. Ah, ok. Merci, Willem. Nalobi Boy. Église Oye Bimisayo. Na carrière na yo. On reconnaît que l'église Oye Bimisayo a soutenu yo. Mais qu'on soit bénédiction. Il y a l'église Oye Bimisayo officielle. Attends le téléphone. Noro. Sambele langa pour la concert. Et ça, merci beaucoup. 100% lié à cet événement du 27 juillet au Stade des Martyrs. On ne parlera pas de la vie privée du pasteur Mike parce que ce n'est pas le sujet du jour, s'il vous plaît. Franchement, je vais prendre, excusez-moi de le faire, cher grand frère, grande sœur, frère, sœur, collègue. Je serai très stick sur cela. On est ici, Toza Awa, vraiment, Tolobela événement. Toye Peko Lobela Batumi Susuti. C'est le pasteur Mike Alamba. Pourquoi pas? Toro... Ma vie privée, pourquoi pas? Toro Lobela, vie privée de papa Mike. Non, juste un peu de vie privée. Ah. un peu seulement. N'en abusez pas, juste un peu.
Bonne télévision, bah, vous mettez beaucoup dans les sur votre chaîne Congo Agabana TV. Merci, Nabandeko, tout bas aux opportunités pour la bise vendredi à Lélo. Oyo Dosengeli, comme il vous plaît, information surtout, Marabutali, activité musicale. Je pense que Lélo, vous allez bon dimanche, aussi samedi, va deux bonnes options dans l'avance. Alors, donc, vous avez une conférence de presse, il y a Pasteur Mike Alamay, Oyo, à Robert, le 27 juillet 2024, donc à partir de la va porte, il y a Stade des Martyrs, et Fumwami. Mais, dans une conférence de Bolanda, par rapport à votre temps, là-bas, nous savons que votre humble serviteur était là pour essayer un peu de vous ramener et aussi d'apporter quelques informations, surtout concernant cette production de la Stade des Martyrs. Nous proposé Bino Bolanda, en intégralité, dans les conférences de presse, il y a Pasteur Mike Kalamba et Nekaki. Et puis, nous avons dit que nous avons continué la mission. Mais quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit parce que c'est de l'État, on n'avait pas eu le temps. Et puis, là, pour la volonté de travailler sur notre chaîne, parce que YouTube et Slack Bisson ont des agréments. Mais d'ici une semaine, je pense que ma campagne est normale. Mais à travers votre chaîne Congo Agabana TV, il y a toujours l'occasion de la Rolanda Bisson. Juste là pour s'abonner à la chaîne d'Abisso, vous voyez déjà que tu atteins déjà dans les 25-26 000 abonnés, mais je vous en ai besoin toujours. Il y a ma bonne main pour que ce soit encore plus fort pour que nous puissions vous donner un travail de qualité. Alors, merci Nabande Kouazon à l'Abisso, merci Nabuto, souhaiter un bon séjour à Kinshasa, à Montvier, et viens mon bien, les patrons silencieux, Loas Mpongo, Oazan à séjour, Loas Mpongo, les silencieux, Oazan à séjour, Awa, dans le niveau à Kinshasa, depuis pratiquement. Pratiquement quelques jours et à Zalaki Bongo accompagné dans mon long naïe, maman Chantal et Sabé, la femme qui brille, hein, la femme qui brille, quel que soit le temps que Dieu nous donne, ils ont la bouteille, ils ont l'amour, ils brillent, ils sont en séjour ici à Kinshasa, le couple Bongo, Chantal et Sabé. Et les patrons silencieux, Loa Sampongo, basant la séjour, on a niveau à Kinshasa, mais ça toujours quoi informer. Merci, Pena Trazo Bilomba depuis Canada, plein de bonnes choses. Nayo, aux zones d'Abisso, et puis merci à Maître Pouloussi, Eka Ig, le lion du barreau, Motema Jima, Kropé, aux zones d'Abisso depuis Fondation Pouloussi, et puis tout le monde avocat de ce cabinet. Poulousi aux autres voisins, on a vu ça. Bambo, tu as vu ça, la malamou, et puis tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, infirmière la biseau dans la biseau moi la maille ou y'en a les qui n'a pas si on peut démêler alors qu'on veut bien le maintenant bolanda élément autoproposé bien la conférence de presse en fait à Pasteur Mike Kalamba et cela va faire plaisir na Sarah Elambo Bois Noir Sika Motema y'a moi la moto et puis maca et puis le bandeau sur la biseau. Je vous convie de suivre cet élément et puis dans les conférences de presse à Pasteur Mike Kalamba et salami dans le moment autour sur la bino et puis tout le monde va clôturer mais c'est beau quand votre humble serviteur à Pesaki et ma solo et puis la personne qui m'a mis na bande de côté besoin de beaucoup mais le soir message tout ça pour moi la besoin ma critique la bino pour que tout ça la bino moussala et la qualité de vos messages. On va suivre ceci et on va revenir pour continuer cette émission avec le même plaisir. Dans moi bordure. Non, pas de bordure, mais en fait, ce que je n'aimerais pas ici, c'est que les amis de la presse aient l'impression qu'ils sont muselés et que et voilà. Encore Bino Bolinga Kaka Aboué. Bon, comme il le permet, on va quand même garder la ligne. Mais hein? Seulement, n'en abusez pas, s'il vous plaît. Yomoro Lissous Ozongi. Donc voilà, on est à un moment de partage. On va rigoler. On va écouter. C'est un moment aussi où on peut, s'il y a des petits conseils à prodiguer, en tout cas le pasteur Mike est ouvert à cela. Surtout ça, comme il le dit. Mais conseil à moi bien. Oui. Yamami, il est là. Vous pouvez prendre la parole. Le micro est là. S'il y a encore deux autres questions, en tout cas, vous pouvez vous mettre déjà debout. Chers collègues, ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, ma première préoccupation, c'est assez que, par rapport aux propos que notre frère venait de tenir tout au début, là, vous avez dit sécurité, c'est bon,
L'accueil sera formidable. Alors moi, j'ai un petit souci parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas pensé aux personnes de troisième âge. Je parle de moi parce que ma mère et trois de ses amis m'ont demandé de l'amener au stade. C'est des personnes qui sont diabétiques, qui font l'attention. Elles ont plus de 70 ans. Alors, je me demande comment on va se faire, parce qu'il y a aussi les besoins sociaux qui s'opposent avec l'ouverture de portes à 8 heures. À moi, ou dites-moi quand je dois venir avec mes mamans là, pour qu'elles soient dans le bon. Et puis, pour le pasteur Mike Alambaï, le spectacle, c'est combien d'heures? Peut-être que le temps nous manquerait de vraiment tout étaler ici. Ce stade vient tout simplement au moment et au temps marqué par le Seigneur lui-même. Il y a plusieurs années en arrière, j'aurais dû les faire. Je vois justement même quelques figures ici qui nous ont pratiquement accompagnés depuis le début comme ça de notre carrière jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui auront souvenir, quand je vois mon frère David Sala, je vois Pasteur Buana à l'époque, c'était avec l'équipe de Lingala Facile quand je travaillais sous la coordination de Akulu Tourabiso, Zachary Babassoué, que je salue. Donc là, j'avais déjà annoncé en 2009, ça allait être la première fois que nous allons à la stade des Martyrs. Mais après, il y a eu un nouveau ministre qui est venu avec sa nouvelle équipe. Il y a l'administrateur. Et ça allait coïncider avec le premier don de la pelouse synthétique que nous avons eu au stade des Martyrs, don de Chabani Nonda. Je connais pratiquement toutes ces choses. Et finalement, ça n'avait pas été facile. Tozongi, alors que les publicités avec Pasteur Buana ont été prêts déjà à larguer. On avait annoncé déjà donc méga célébration au stade de Martyr. Après, Tozongi, la commune, il y a Kassavou, on est allé voir Maman Meta, à l'époque, bourgmestre, il y a Kassavou, c'est elle qui nous donnera dans la suite le terrain, il y a Triomphal. Non, Triomphal. Donc, si vous vous rappelez, notre stage était vers Siménon. C'était la première fois de ma vie que j'ai pressé devant un public comme celui-là. C'est-à-dire, au matin, dans le stage, tu as comme l'impression que ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. C'est en ce moment-là que je me suis dit, ah, pourquoi tu es content à stade de martyr en montée. Mais je crois que l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui donne. Et Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Une autre vérité, peut-être non le bon, mais non le bon quand même. Peut-être que si c'était fait en ces temps-là, ça allait beaucoup plus être pour la gloire de l'homme, de l'artiste que j'étais. Mais rassurez-vous que la personne qui va aujourd'hui au stade reste le même artiste, même pasteur. C'est-à-dire que la façon de voir les choses, elle est tout autre. Rassurez-vous que, alors que nous y allons, là au stade de martyr, nous allons nous rassurer, chers frères et sœurs, amis de la presse, minute après minute, seconde après seconde, du début à la fin de cet événement, de cette manifestation, que Jésus restera Seigneur. Parce que c'est vraiment pas fait pour la gloire de l'homme. Maman Gisèle, la popularité, non. Sincèrement, le Seigneur a quand même touché plusieurs cœurs qui nous soutiennent, qui sont avec nous, malgré les hauts et les bas. Ces personnes nous ont prouvé leur amour, leur accompagnement, mais pratiquement tout le long de notre carrière, et les preuves, moi j'en ai. Imaginez par exemple, voyez même le nombre de vues que nous cumulons comme ça derrière nos œuvres. En majeure partie, le nombre de vues en est autre en Congolais. Ils avaient Pakistanais. Ils avaient Israéliens. C'est d'abord les Congolais. Alors, le stade de martyr à quelle taille, à quelle capacité? Face à toutes ces nombreuses personnes, Kinshasa compte combien de personnes, d'habitants. C'est quand même un nombre. Vous verrez que le stade de martyr public de Royawana, comparativement à la densité que nous avons sur Kinshasa, et ça, on regarde Goutiama, il y a un océan. C'est-à-dire que le Seigneur peut vraiment faire de manière à ce que... C'est-à-dire, ceux qui t'auraient donné la popularité, non, c'est vraiment pas cela. Toi, pour ça, on peut prouver en haute, parce que le Seigneur nous a fait quand même goûter à cela
tout le long de, nos, de notre carrière. Ne vous en faites pas. Maman, maman Gisèle. Autre chose, quant à Nguasuma qui est comparé, tout ça là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Batutu Bayebi que on est chaud sur scène, un peu tout ça, en majeure partie. Non, parce que moi, showman. Alors, que moi, sincèrement, ma musicien peut baser là, je vois maman Rosny qui est là, Baptiste, Aïda, je te salue. Merci. Alors, Bazala, Bazé Bélé. Sincèrement, on a dit que nous avons qui m'a sebel la musique. Ouais. Oui, ça peut peut-être vous choquer. Nous avons l'album, rarement, on a dit que nous avons. Mais c'est sur scène que nous avons dit 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 Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Mais qu'est-ce que moi je fais généralement? Je tenue à Kamou. Je suis senté en avant. Pour danser, les artistes comprennent ce que je suis en train de dire. Tout simplement parce que je suis tellement effrisé moi mondanité. Les rares fois que je lobby vraiment dans ce salle, c'est belle. C'est avec Bissengo Alola. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mal à l'aise, on se retrouve parce qu'on a un live. Moi, le live a toujours ils ont la moindre dynamique dans mon moreau, ils ont la moindre exigence dans mon moreau boyé. Et avec le public qui est présent, vous êtes tenté à combattre ça, moi, artifice, vous voyez. Mais vraiment, dans ma discographie comme ça, Bissengo Alola, je vous dirais que c'est le rare Seben qu'on a fait. Solo et lobby, ka. Je vais vous dire quelque chose. Tant que si les gens sont morts, les gens sont instrumentaux, les gens sont morts. Les amis, ceux qui savent, l'ingénieur secoue sa tête, l'ingénieur qui a fait ça avec nous est là, l'ingénieur Grasse Mbouya. Les gens sont morts. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un album. Oui, je vous dis vrai, la vérité, Jésus témoin. Les gens sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Mais tout ça dans le cœur. Tant que tu es cœur, ecclésiastique, aussi c'est un verbe, je ne sais pas. Ecclésiastique, on m'a dit, ah, ok. Bolingo yandana yesuwe, yasukateo. Ah, il y a quand même, il y a. Il y a bando zonga nandaku. Alors, et avec ma voix, sincèrement, c'est une voix de l'Église. C'est une voix de l'Église avec une façon de faire ecclésiastique. Parce que c'est dans l'ADN, quoi. Même si ça n'est pas musicien que... Musique chrétienne, ils ont la fonte. Ils ont la forme. Ils ont la forme. C'est-à-dire que je ne te ferai pas une chanson... Parce que moi, je suis... C'est la musique de l'Église. Donc, c'est-à-dire que... Mais ça peut arriver. Maman, tu as un bisayo. C'est-à-dire que le groove te dégage à la bande, mais tu as tendance à se bien comme ça. Facilement, maman Gisèle, que vous le voulez ou pas, au recours de la carte, au recours de la carte. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de respect pour Bakoulou Tounion sur Wenge, vraiment, qui trouve par ici toute notre considération et notre profond respect. Voilà. Merci. Maman Sylvie Bongo. Ingénieur, tu as un problème avec maman Sylvie ou quoi? Allô, merci beaucoup. C'est Sylvie Bongo. Moi, ma question, c'est d'abord au pasteur que je la pose. Vous êtes à une semaine de ces concerts qu'on va appeler historiques parce que c'est un des points marquants de votre carrière. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Parce que, on va dire que Majdia Bouépé Sionions, et puis Eko Risqué Komelon Gambou, est-ce que Ozola Lozola Mukano bien par rapport aux défis que vous devez absolument relever les samedis?
et na tout na plein tibakino au côté ndéni parce que l'entrée na ba concert c'est un grand problème to boy ba lo ba susu o aroya simano azongi sa yesu na stade biso problème na biso za ke yesu avanda explose à la telle qu'il se doit et puis à Majabu je sais que les fondateurs l'initiateur de Majabu c'est un couple chrétien qui a mis d'abord en avant la foi, les affaires de Dieu. Mais pourquoi je parle des affaires? Parce qu'il y a aussi les lucres. Là, je m'adresse au directeur Aristote. Est-ce que dans cette histoire, il n'y a que le nom de Dieu qu'on attend qu'il soit élevé ou il y a aussi des bénéfices parce que Majabu, c'est une structure, c'est une entreprise qui doit payer les impôts, les taxes et au finish, vous devez vous attendre à faire des bénéfices. Est-ce que vous avez tout calculé pour que les produits Mike Kalambay que vous mettez sur le marché puissent générer des recettes? Et enfin, au directeur Jean-Pierre, moi, c'est la bataille du contenu. J'ai vu qu'il y a des artistes. Au Zénith, il y en a eu. Ils ont presté un peu. J'ai vu qu'il y aura des Rafiki qui viennent de quitter l'Europe. Ils sont là. J'ai vu qu'il y a des anciens, des aînés plutôt du pasteur Mike qu'il a reçu même il y a une semaine. Comment se présente le contenu? Lui-même, le pasteur, il preste pendant combien de temps? Et le reste de temps, comment est-ce que vous les départagez? Merci. Merci, Maman Sylvie. État d'esprit, je crois que nous sommes conscients que tout dans le virage, il y a Souka qui nous mène à Explose Célébration. Sincèrement, nous sommes en mode concentration. D'ailleurs, avec toutes nos équipes, nous sommes en retraite parce que tout simplement, nous voulons voir le Seigneur nous accompagner, nous capaciter pour cette grande célébration, ce grand événement. Explose Célébration, c'est vraiment une responsabilité. Nous en sommes conscients. J'ai aimé étant le Bébéco comme le Pengambo. Sincèrement, nous en sommes conscients. C'est une lourde responsabilité. Notre prière ici, c'est que le Seigneur nous donne d'être à la hauteur de la chose et nous croyons qu'il le fait déjà. Kokota. Ah oui. Vous savez, sincèrement, plus on avance, plus certaines choses qui autrefois, les acquis, tout ça, on a tendance à tirer en avant. Et comme je dirais comme l'apôtre Paul, comme regardant comme de la boue. Je vous ai dit quelque chose ici que nous voudrions nous rassurer du début jusqu'à la fin de ces concerts, de cette célébration, que Jésus restera Seigneur, du début jusqu'à la fin. Sincèrement, les gens ne viendront pas pour voir Mike, parce qu'en réalité, Mike n'a rien à donner, n'a rien à donner à toutes ces personnes. C'est comme ça que nous n'avons pas arrêté, je vais ouvrir une parenthèse, pour demander à tout le monde qui viendra au stade, venez avec une soif de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Venez avec un cœur qui s'attend à une visitation de Dieu. C'est-à-dire que, déjà dans la dimension, on a Mike n'a rien à donner. C'est le Seigneur qui sera élevé, lui qui est capable de répondre à chacune des préoccupations. Pourquoi pas entrer tout simplement, mettre la personne de Christ en avant. Mais en même temps, on aimerait ici vous rassurer que trop vider célébration de toute substance parce qu'on doit rendre les choses simples. Non. C'est-à-dire que l'aspect artistique sera au point, mais nous le ferons de manière à faire plaisir à tout ce public qui viendra, mais surtout à mettre Jésus en avant. Ok. Merci, Maman Sylvie. Est-ce que dans cette histoire de Majabu, dans ses concerts explosés. Cette histoire ça a démarré. Caméra na Ewana, ils ont le coup la drogue Moroboui. Donc, à ce moment-là, normal, quand ce qui est à Katiam.
Ouais. Vous avez la caméra peut Monsieur Bazar va se retrouver. Vous avez donc, c'est-à-dire que je crois que quand on saisit les instances judiciaires, c'est tout simplement pour que te faire réfléchir, Bazon quand même à la raison. Mais quant au pardon, soyez rassurés que nous l'avons déjà accordé. On ne retient personne captive dans notre cœur, ne vous en faites pas. Gaël, Toroyan Nengenini, mon frère, je suis en train de le dire ici que Toroyan a attitude, Moroya. Il y a bateau, Bazos, elle a quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes très conscients que c'est une responsabilité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, ma plainte est allée. Kinshasa nous a donné toute une mission à accomplir par notre passage au stade de martyr. On ne prend pas ça pour rien. Nous en tenons compte. Ne vous en faites pas. Notre prière, je reviens encore. Reste et demeure seul, il y a au Seigneur Nzambe à capacité biso pour que nous soyons à la hauteur. Il y a événement où il y a sangisa biso. Le Kechou dit quelque chose quant à la copie collée. C'est-à-dire que nous avons annoncé quand même ce concert avant plusieurs mois. Ne vous en faites pas. Majabou Gospel, nous sommes une machine, hein, mais très humblement que je vous l'ai dit, nous sommes sincèrement une machine. Il faut nous voir dans nos moments des réunions, c'est des réunions qui nous prennent des heures et des heures. Il y en a d'autres même qui sont à distance. Je vais vous dire quelque chose, vous faire une indiscrétion. La personne de maman Mariam Bondo a elle-même. C'est une femme avec une capacité créatrice, moko, mais vous n'avez aucune idée. À elle seule, elle peut vous donner 1000 idées et tant vous salez là, vous vous rendez aussi compte qu'elles étaient les meilleures. Il y avait toute une série, il y avait un challenge qu'il fallait faire. C'est-à-dire que vous êtes conscient avec moi que nos amis, nos batteurs, c'est des personnes où on oublie, très généralement, on oublie. C'est qui un batteur? C'est quoi la batterie dans une musique? La musique est régie par le temps. Et ce temps-là, nous l'avons de nos batteurs. C'est-à-dire, c'est comme une fondation qui tient une maison. C'est-à-dire, enlever la base, enlever la batterie de notre musique. C'est vrai, on peut le faire le temps, nous l'avons par cœur. Mais vous rendrez compte que c'est comme une maison tout de suite qui peut s'affaisser. Vous voyez? Bah, maestro, Nabisso, les amis qui donnent toujours l'énergie, mais pas à peu près. Nous sommes dit, en tout cas pour une fois, nous allons quand même penser à eux. Parce qu'au-delà de tout, pas seulement qu'ils vont participer avec nous à l'ouverture d'Expo Célébration, c'est qu'à la fin de tout, chaque batteur aura gagné tout un kit complet de batterie. Et ça, Moutoumzou, Baninga et Bélé que j'ai rencontré, Nazoata batterie, papa Maxouna, Nazoata batterie, caca. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire que beaucoup de respect à eux, Pesaka, énergie, mais tout ça, c'est nos héros dans l'ombre. Malheureusement, Tobo Sanaramango, pour une fois. Et j'aimerais ici saluer aussi la participation et le concours d'un grand batteur de Kinshasa, à la personne de notre frère Papi Kakol et son implication encore donnée comme un boost à ce challenge. Pour moi, c'est un des batteurs mais vraiment légendaires que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Bondo et Machine. La caméra, c'est où? Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Respect et merci pour ton implication. D'ailleurs, je vais recourir à lui pour qu'ensemble, tout ça délibé. Il y a pas batteur. Non, Papi Kakol n'a pas le niveau. Il y a pas challenge. Voilà, sincèrement, je crois que nous l'a fait à Salian quand même pour nous faire plaisir et nous accompagner dans la chose. Et surtout que lui-même a promis d'être au stade à normalement dévoiler parce que il y a pas que lui. Bon, voilà, tout. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il nous a accompagnés. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai pris ça avec beaucoup de chaleur. Merci énormément. C'est-à-dire que c'est une première. Les batteurs ont dit, les Kechou, « Yaboena nous tomonate ». On a dit qu'on a un réseau et yindi na parakata, parakata, parakata. On a dit « Manzanzanenge » et yindi ce réseau.
Donc, ça dit, c'est une première. Mais aussi, Tolobanan et Lomoko, même dans l'hypothèse, Oyo, exact que tu copies. Ça dit que ce que les habits ne sont pas copiés, ils sont parce que en réalité, c'est à dire que banane babanda challenge, muta banane challenge là. Mutuna na pesa bisa comme challenge à ça. Je crois que yewana ndé mutu to copier biso. Vous allez vous rappeler que nous avons fait un de challenge à Makassi avec la chanson Happy Birthday. Oh, bah, prix, ils ont gagné en Afrique des groupes camerounais, ivoiriens, tout le monde, bah, guadeloupéens, français, tout le monde cherchait les prix à gagner. Vous allez vous rappeler peut-être, Bobo Sani, en ce moment-là, bah, challenge des Aguilés de Tiwapi, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que chacun est libre de dire ce qu'il monte à cœur. Mais nous savons que nous restons dans notre ligne des choses. On ne va pas s'écarter de ça. Quand tu as oui, justement. Et comment on commence à un moment, Moko, c'est-à-dire que nos églises maintenant commencent à nous appeler. Moi, j'ai un problème. J'ai un faible toutes les fois que je dois rendre service à l'église. Parce que je suis un produit de l'église et tous les dons. Toutes les grâces que le Seigneur a déversées sur nous, je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu parmi nous, c'est pour un seul but. Et Ephésiens le dit, c'est pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, c'est pour l'édification des saints. Vous voyez ça? Et chaque fois que je suis confronté à cette réalité-là, Nazanga Makassi. Mais je vous assure que nous avons déjà arrêté parce qu'avec toutes nos équipes, nous sommes déjà en retraite. Femme Tamar, c'est une sœur pour moi et son mari, le pasteur, le prophète Jérémie. Non, au fond, n'avait pas Femme Tamar. Donc, c'est-à-dire que même quand on peut y aller, ce ne sera plus pour chanter, ce sera juste pour rappeler aux enfants de Dieu le rendez-vous du 27. Merci les Kétchou. Merci. David Sola. C'est Sola. David Sola, DG de Quelle Boule Magazine. Avant, nous avons une question à Pasteur Mike. Nous retournons dans la production de Madjab pour l'état de sécurité. Quelle boule mag a couvert au moins 4 stades de martyrs. Tout ça, là, les à côté. Ça dit à côté à bien. Est-ce que dans la réunion, nous avons besoin vraiment de temps de la police? Vous avez besoin d'un stade de martyrs, nous avons besoin de tout. Et après, on a quand même, Dieu fait à sa grâce, nous avons besoin de tout. Pasteur Mike Ozorbe est en concert, le deuxième artiste ya gospel. Moi, polémique, je suis en train de me parce que je suis en train de me faire. Cette fois-ci, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Présent sans âme, c'est bien, mais faux spectacle. Entrer, ma soeur Sylvie, bon, tu as une question, mais tu as échappé. Entrer dans Yerusalem, normal, ou bien tu as un spectacle pour Okota. Ceux qui sont dans la sécurité, parce que nous mélangeons ceux qui sont dans la sécurité, parce que la police, vous avez combien de catastrophes de martyrs? À part, est-ce que vous avez une entreprise, une équipe, une sécurité? Parce que via IPU, on a brûlé ceux qui sont 50, vous avez une porte, mais il faut quand même protection pour que vous avez une. Encore félicitations par rapport, moi je me dis, ça c'est osé. Stade des martyrs, ce n'est pas fait à tout le monde. On doit se l'aider. Mais pour le frère Mike, l'homme de Dieu, c'était le temps. Et là, moi, j'ai dit félicitations. Motuna Liboso, je vais plus poser côté logistique, côté technique. Frère Mike Kalambay, l'homme de Dieu, Madjabou est captivé autant de familles, surtout les enfants. Là, je vous rapporte, c'est par rapport aux logistiques. Est-ce que, côté technique, logistique, vous avez prévu des bus spéciaux pour aider aussi les parents qui sont là-bas? Parce qu'il y a autant, moi je vous rapporte, mais vous savez, les transports dans notre pays, à Kinshasa, comment ils sont difficiles, compte tenu aussi embouteillage, en plus, c'est les samedis. Est-ce que Madjabou, parce que nous savons Madjabou Azalabad Mitouka, est-ce qu'il a disposé aussi que Mitouka Azalabad bus pour le déplacement et la population?
Là, je vais m'adresser directement à l'homme de Dieu, Mike Alambay. Par rapport à vos invités, et surtout par rapport à votre playlist, est-ce que vous avez prévu aussi le featuring que vous avez fait? Est-ce que, et que vous allez kaka, Banzembo Yomo Kosali avec votre groupe que vous allez interpréter, ou bien il y aura aussi, vous allez appeler aussi, Baptiste Ebisousso Bossaba, featuring Nabango Bossala, featuring Najoura, il y a production. Et pour finir, là, c'est une préoccupation. Là, je vous dis clairement. Et ça, l'homme de Dieu, un musicien mondain, là, je l'ai dit, je pars directement. Beaucoup se plaignent. Se plaignent. Et surtout, j'avais reçu, là, j'ai dit, j'avais reçu il y a dernièrement, Bunafilé. Bunafilé, en direct, il a demandé une invitation à Senga Lobi. Frère papa Mike Kalambay, ben an invité nganganaya. Ce qui possibilité peut que zala toye mbanayo na podium. Est-ce possible ou pas? Et ils disent que bino bango baya kana me église na bino tombe souvent de visite, mais bino bokenda ver bangote. C'est quoi tout ça? Donc merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que question est telle qu'il y a beaucoup plus Yasuka. Yasuka, il y a bien un filet. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Toto, pour votre intervention, vos félicitations. Je prends ça. Merci. Sincèrement, cette hypocrisie, ça les marre assez souvent. Dans un milieu, il y a des gens qui ont une église, qui ont partagé avec nous. C'est comme cela que vous verrez que dans la plupart des cas, je me suis affiché avec Ebélé, Abakouloutouana, même Yabalé qui me soussou, Baye Sima, Yabaninga me soussou. C'est-à-dire que moi, avant tout, ce sont des frères, Abakouloutou, Bazali. Des compatriotes congolais, c'est-à-dire que on n'a pas bandeko, bandeko. Sincèrement, pas bandeko. Observez, vous verrez que ne traitera jamais bango avec discrimination, jamais, mais vraiment jamais. Et je vous rassurerai ici que toutes ces personnes, il y a d'abord deux jours, je parlais, excusez-moi, j'étais sur Paris, on parlait avec Dété, je lui dis, trouvez-moi les invitations, je lui ai cité les noms. Je lui disais par exemple, je vais avoir les invitations de tout le monde. Je voudrais avoir une invitation pour Kouloutou Nabsoji Bempiana ou Eranson. Je voudrais apprêter-moi une invitation pour Fali Poupa, Ferregola, Héritier, Watanabe. J'aurais appris cette histoire de Bunafilé. Il n'y a pas que Bunafilé, il y a également Ibrator. Il y a également Ibrator. C'est-à-dire, ce sont nos invités, ils seront invités. Héritier, Watanabe sont nos invités. Mais très particulièrement, j'ai échangé avec quelqu'un, c'est Kofi Olomide, avec qui on a échangé il y a deux ou trois jours de cela. Justement, il attend également son invitation. Donc, c'est-à-dire que c'est une fête. C'est une... Sauf que, deux questions, et un simple. Mais troisième, je crois, Ika Aweskizenga, Otigangala, tout la question. Parce que. Monsieur Jean-Pierre, presque n'a débit à la conférence, à l'obaki nios, même oui. Même ce qu'on venait de faire maintenant, il fallait à la question. Question de Bozo Zali, date est le 27 juillet. C'est pratiquement une année que vous avez annoncé ça. C'était lors de mon émission sur la RTNC. Vous avez annoncé ça. Pourquoi on insistait quand on a le 27 juillet? Et puis, Ozali, deuxième artiste, permettez-moi, deuxième artiste chrétien, Oyo Azako Ozé, mais tu as été la première personne à annoncer ça, concert à stade des martyrs. Et ça, la Gindegeni Nango, Oyo Ozé se trouvait dans la deuxième partie, deuxième position. Nazo Monawa, na fiche au Tchela Bisso, il y a deux photos qui circulent. Moi aussi, ma moutema. Et les autres photos, au Kanaka Amisu. Qu'est-ce que ça n'est? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a
charge à les 27 oyo. Est-ce que vous comprendrez? Parce que tout qui m'a sentimenté. Tu as un stade de martyrs. Et ça, musique profane, n'est pas bien populaire, mais ça, musique chrétienne. Na yo ki ne bandel lobi ke ozara obi obi ko limbisa. Oza passé bizo to ebi. Vraiment ko bengana l'église notre, na le moment vérité quoi. Est-ce que conscience na yo? Quand vous dites que église cité Bethel et sa place bimisa yo. Comment pasteur Mike ozo préférer que ko kuta na ba? Ba père ya l'église na mususu mais église oyo mo robima. Ko beta mo Limbi sangago, limbi sangaye. Yoka, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moins, il y a une question pour vous, hein? Bazela, on va que ma distraction est bien, s'il vous plaît. Bref. Alors, question de la Nina, expliquez bien pour votre distraction. Tolérance, tolérance, tolérance. Hein? Alors, Ezalinda ku oyo. Ah, ok. Merci, William. Na lobi boy, église o ebimisa yo, na carrière na yo, on reconnaît que l'église ouana bagoya ko soutenir yo, mais qu'on soit bénédiction. Il y a église ouana zara officiel. Attends le téléphone, Noro, sambele langa pour la concert. Et ça, merci beaucoup. Les amours tomoro et pelaranango, tous les carangos avec le long de la rue triomphale, ok yo zongi na yo. Est-ce qu'un bon matin, oui, moto, otumbaka, est-ce qu'on zigzaga? Zigzaga. C'est ça le stade de martyr. Ne vous en faites pas. Nous connaissons toutes ces choses. Soyez tranquille, soyez vraiment tranquille. Quant au fait de se retrouver en deuxième position, je ne sais pas. Cette course-là, c'est-à-dire, tozo kimana nani, et puis tant tozo kimawana. Ils ont tous un netinine côté souka, tous ont ouais la netinine. Jusqu'ici, ceux qui ont besoin peut-être qu'on définir, biloko tous ont ouais là, na le pourquoi tous ont ouais les langues, de peut-être je peux faire une idée, finalement encore on a encore répondre c'est quoi. C'est-à-dire je peux venir même en dixième position, ce n'est pas un problème. Mais je voudrais ici, bino boit quand même, Gabana y a quand même journaliste y a les lotés. Non, quand tu es bien, deuxième, binonyoso pratiquement. Il faut toujours questionner à moi histoire, c'est très important. Où est-ce que vous mettez le stade de martyr de Papa Charles Mombaya? Un certain 2 août, vous mettez ça où? En monnaie, hein? Maman est sainte, Papa vient me Shabba, ils mettent ça où? C'est les journalistes, c'est la presse, la crème de chez nous qui oublient. Que Papa Charles Mombaya est passé par le stade de martyr. Donc, course wana, après combien d'années? Mike Baye. Donc, c'est-à-dire que course moko wezati. Vous comprenez? Au moins, les Mike a kobe tato la lobby, non? Nandem na bandagango moutaliboso, ram na non sa moutaliboso. 10 ans après, moi na moko boyaye. Le ki moko boyaye. À corriger les binos stadouan. Ce que Mike Otikalera, n'aide dans ce banda qui a vraiment besoin de toi, non, ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vide de l'intérieur. C'est vraiment pas utile. Troisièmement, quant à la question, on a eu à Miss Satou. Heureusement, Yomoro Seki. Nako Sekanora, on a compris les gens. Ne vous en faites pas. Nera Yomoro Seki, n'a peine à Seki. Merci. Merci pasteur. La dernière question, madame. Eh bien, je me présente, c'est Béatrice Dombo TCD Univers Télévision. Alors, j'ai 2 petites questions pour le pasteur Mike. Déjà, je suis très contente de vous rencontrer. C'est la première fois de toute ma vie d'ailleurs. Oh, permettez. Alors, la première question, c'est sur le choix de la date. Pourquoi vous avez choisi la date... S'il vous plaît. La date du 27 juillet, parce qu'il y avait plusieurs jours du mois de juillet. Bon, il est bon.
Quant à la question des BA, le 27. Pourquoi seulement la date du 27? Sincèrement, la date du 27, c'est en rapport avec la disponibilité du stade. Je vais vous dire quelque chose rapidement, maman Béa. Quand nous sommes allés au stade pour la première fois, la date qui était retenue, ce n'était pas celle du 27. Nous avions eu une date. Mais c'est arrivé sur place au stade, après réunion avec les administrateurs du stade, que finalement cette date-là n'était pas disponible. Nous étions finalement obligés à revoir Koluka, une date qui était vacante. Et finalement, nous sommes tombés ensemble de commun accord sur la date du 27. Ça en rapport tout simplement avec la disponibilité du stade. J'aimerais ici souligner, ça c'est vraiment l'intention de toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre, le 27 au Bozo, ce n'est pas un dimanche, hein, c'est un samedi. C'est un samedi, exactement dans une semaine qu'on se le dise. Le samedi 27, déjà à partir, il y a l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, tout le monde nous sera au stade. Mais il y a eu une autre question. Béa pense que, parce que j'avais parlé du plein au stade de Martyrs, et que maintenant quand on semble ne pas mettre l'accent sur le plein, c'est la peur, c'est cause de la frousse, c'est cause de la ligne. Rien à voir avec cela. Rien à voir avec cela. Je vais vous dire quelque chose, Béa. Les Quinois ont tout fait pour nous renvoyer un message. Ils ont fait les suivis pour se rassurer si réellement nous avons compris et capté leur message. C'est quoi le message? Le message au Quinois va passer bisou. C'est qu'il va expliquer bisou pendant que est-ce que binou boye biné tout ça pour tout ça c'est la grande macambo. Ça c'est dans un. Il faut voir comment ils ont acheté les billets. Monsieur Jean-Pierre, ça, pourquoi vous ne dites pas ça? L'humilité, Kara. L'humilité. Hein. Ok. L'humilité précède bon. La. Elle, c'est ma petite sœur. Elle hein. Dit, non, on peut. Non, t'as les Kara en face. Ah oui. C'est-à-dire que. Dans la profession, on a besoin de moi, Sabiso. Écoutez, cher ami, vous savez pourquoi vous échouez souvent? C'est parce que quand vous êtes pendant un examen, vous voulez commencer à résoudre les questions les plus difficiles. Commencez avec les questions les plus faciles. Et peut-être si jamais temps est coquille, on peut te prendre la feuille, mais quand même tu as répondu aux questions les plus faciles. Comme Oyo, il y a tellement ma casique, accepte sportivement que je te dise que na coquille a moté. Benanga émission na yo, na répondre yo. Les lots n'ont une inspiration. Donc, pour une fois, je ne sais pas si je vais vous donner la réponse, mais pour une fois, je vais vous donner les lots. Merci beaucoup, pasteur. Sans répondre à l'émission, on a que réfléchir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir le pasteur Mike, le DT Aristote et le project manager, papa Jean-Pi? On demande à toutes les personnes des médias, vous avez des clés USB, de les déposer pour qu'on puisse vous enregistrer afin de diffuser plus tard, en tout cas, Tikali, une semaine pour la communication de cet événement. Je tenais à vous souligner aussi que le pasteur Mike va bientôt, il a une autre conférence juste après, il a un autre événement, donc il ne va pas rester longtemps avec nous à la sortie. Et merci à vous d'avoir répondu présent à ce bel événement. Je tenais à ce que le pasteur Mike puisse dire son mot de la fin et comme ça on puisse partager le cocktail qui est offert à l'extérieur. Merci. Merci beaucoup. Voilà le mot de la fin. J'aimerais être encore une fois remercier toutes ces grandes figures de la presse de mon pays. Vous avez fait honneur aujourd'hui en répondant présent à notre invitation. Merci énormément. Je vois Magali qui lève sa main comme pour dire qu'il n'a pas posé sa question. Je ne sais pas pourquoi, je t'ai vu debout, mais
Bon, invite-moi également à ton émission, je veux venir. Alors, merci énormément d'avoir répondu présent à notre appel. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous avez des agendas très chargés. Mais si jamais il y avait quelque chose que j'aimerais dire au Touloba Kité, ce que j'aimerais ici, rassurer à tout le monde, à toutes nos familles, d'être au stade. Venez nombreux, l'aspect sécuritaire est pris en compte. Moi-même, je suis parent. Je ne peux pas priver un moment comme celui-ci à mes tendres garçons. Quand même, ça va manquer de sens. Il y a une maman qui m'appelait, je n'ai pas arrêté de le dire. Chaque fois que je suis passé sous le média, qui m'appelait pour me dire, « Papa Mike, si je n'amène pas ma fille qui a 9 ans à ton concert, c'est comme si elle ne me les pardonnera jamais. » Et elle a vu comment Amoné affiche Noé Amoné Nabalabala. Elle a demandé à ses sœurs, voilà, elle a vu la date du 27, il aimerait être là. Nous avons pas seulement vu la police et toutes les autres structures et la sécurité privée et tout ça. J'aimerais ici souligner, et il est important de le savoir, que nous avons également l'accompagnement du ministre du VPM, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Qui lui-même est invité au stade, il nous rassure qu'il viendra également avec sa famille. Donc allez-y comprendre que nous avons son accompagnement, c'est-à-dire de cet aspect-là, ne vous en faites pas. N'a divulgué l'homme sous. Nous avons vraiment des invités, mais vraiment des invités. La haute hiérarchie sera au stade. Oui, c'est-à-dire que allez-y comprendre qu'on n'a pas besoin de tout dire ici, c'est-à-dire que aspect ou la sécuritaire, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Donc, toute l'équipe s'est mobilisée pour que tout ça soit un aspect ou un athée. Depuis que ce sont des rencontres, je vais vous dire que je vais parler de la bango, mais tout de suite, ils seront maîtrisés. Si jamais ça n'arrivait, bien sûr. Autre chose, on appelle ça conseil. Naba maman, surtout beaucoup plus au Bariana, stade de martyr. Ba maman, même pour la samedi, Penza. Bouya naba talenté, n'est-ce pas, maman Sylvie Bongo, thé. N'est-ce pas, maman Rosny, thé. Bouya naba basket. Bouya ta basket. Vous avez vraiment décontracté, détendu pour que, et tu as bien, on a pas condition, mon roi, bien, tout célébrer ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Merci, Pasteur Mike. On tient à remercier les sponsors Orange, Nice Cream, Illico Cash, Maja Bukab, Canal Plus, Kinacha Foundation, les panneaux géants MK Prod, Bralima et la banque Equity. Comme nous avons commencé avec la parole de Dieu, nous allons terminer aussi avec la parole de Dieu. Et nous invitons l'homme de Dieu, Pasteur Samuel Mukadi, pour la clôture. Je vais nous prier de nous tenir debout une fois de plus. Merci beaucoup. Seigneur, nous t'avions demandé au début d'être au contrôle. Arrivé à la fin, nous pouvons constater que tu l'as fait. C'est pourquoi en ce moment, nous n'avons qu'un gros merci avec des acclamations à te donner. C'est pourquoi tous nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Ce jour-là, quand David a été oint, la Bible dit, il a été oint ce jour-là et pour la suite. Seigneur, la suite entre tes mains. La journée du 27 entre tes mains. Le travail qui reste à faire entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pasta. Pasta. Tony. Pasta. Oh. Gabana ya baba seli. Moi tu bana gyo de tu bana gyo ya inane. Voilà. Tu go mo tangi tu vas comprendre que le moment où tu as besoin d'amour. Vraiment, moment où tu as besoin d'amour. Parce que c'est le moment où tu as besoin d'amour. Le message, il n'y a pas de temps. Non, le message. Venir.
Tony Kongo. C'est avec lui. Il n'est pas seul. Il y a États-Unis. Il y a également Fifi qui est là. Fifi vient. Alors c'est Joël, Gaël, Guillaume. Alors, quand vous voyez toutes ces figures, toutes ces énergies réunies, c'est-à-dire, ça annonce quelque chose. Le 27, c'est dans pratiquement une semaine. Kinshasa, chers Kinoises et Kinois, voilà, c'est notre rendez-vous. Toujours c'est la bino déjà dans ces pays, mais comme si on vient le 26. C'est-à-dire, même si on va le bito, on a bito koto. Tony avait quelque chose à dire. Hein. Il a toujours le mot. Je voulais poser une question par rapport à la paix que nous recherchons dans notre pays. Quel est le message de pasteur en tant qu'homme de Dieu peut lancer à toute cette population de l'Est de la République démocratique du Congo en ce moment sur concert à notre pays? J'aimerais ici que vous sachiez quelque chose, nos frères et sœurs de l'Est, de la République en général, justement cette zone qui subit ces atrocités, nous imposées comme ça par nos ennemis. Vous avez tout notre cœur avec vous. Ne vous en faites pas, nous ne vous avons jamais baissé, laissé dans nos prières. Nous continuons plutôt à vous porter dans nos prières. Et d'ailleurs, ces concerts, juste après cela, nous venons à l'Est de la République, justement, ma Pam est réduit avec un petit soutien que nous allons justement vous apporter. Une preuve que nous vous aimons, nous vous avons dans nos prières et cela au quotidien. Soyez forts, parce qu'après aussi cela, ce que le diable vit, c'est détruire notre mental, détruire notre confiance personnelle, pour que vous arriviez à, comme à croire que vous êtes... vous ne valez rien. Non, vous avez du prix et aux yeux du Seigneur et aux yeux de nous, vos frères, vos compatriotes. Alors, au stade, il est prévu également un moment, une rubrique qui sera ouverte, et vous le verrez de toute façon, où nous prierons et nous dédierons la partie est de la République entre les mains du Seigneur. Nous croyons que toute chose qui a un début a également une fin. Dieu vous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois avec un nouveau numéro. Merci.